Eh bien, y'a tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler un peu de Arma 3 parce qu'aujourd'hui, Arma 3, enfin Bohemia, les développeurs d'Arma 3 nous ont sorti. Enfin, pas aujourd'hui, mais ça date un petit peu. Mais je suis tellement teubé que je n'ai pas regardé. Et donc, aujourd'hui, Bohemia nous ont sorti un trailer. Donc un trailer d'une nouvelle map qui va sortir sur Arma 3 justement. La map s'appellera Taona. Je vous ai mis le trailer juste avant et nous allons voir un peu qu'est-ce qui est apparu dans le trailer et voir qu'est-ce que on va pouvoir voir dans dans cette nouvelle map. Qu'est-ce qui va être ajouté? Bien les amis, dès le début du trailer déjà, on peut constater que ben, la map déjà sera beaucoup mieux. On peut constater un nouveau véhicule. On va avoir un avion qui va apparaître mais avec cette nouvelle map, comme vous pouvez voir, vraiment une map assez enrichie. De nouveaux objets à poser, du nouveau décor, je pourrais dire du neuf. Ça va être pas mal pour si on veut faire comme un Altis Life. On va pouvoir faire un tour de Taona Life. Je pense que ça va être pas mal. Une belle forêt où on va pouvoir planquer plein de nouveaux trucs. Je pense que, comme je vous ai dit, pour faire la suite du Altis Life, ça peut être pas mal. Des éléments du décor qui ont été bien placés. Comme je vous dis, on voit souvent à répétition cet avion, comme on peut voir. Et je pense très fortement que ce sera un des nouveaux véhicules qui va apparaître avec la map. Donc comme on peut voir, c'est une map qui va être assez vaste. Il va y avoir plusieurs îles. Je pense une île gr assez grande et assez centrale, comme on a pu voir sur le trailer. Une île assez grande. J'ai un très fort espoir envers cette map parce que on peut voir beaucoup de choses nouvelles et je pense que tout ça va apporter du nouveau arme en fait si vous voulez parce que dès qu'on va pouvoir en fait dès que la map va pouvoir sortir pour nous on va essayer de faire un Taona Life. Je pense que déjà des serveurs sont déjà prêts à le faire dès que la map sort, bim, ils sont prêts à le balancer. Mais c'est quelque chose qui peut être essayé à être fait et je pense que je vais essayer de le faire personnellement. J'ai pas plus d'images au niveau de la map. Bohemia a quand même sorti un trailer, ce qui est déjà pas mal, mais ils ont restreint au niveau des images, ce qui est bien dommage. Donc je n'ai pas plus d'images, je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à, pour être tenu au courant, pour ceux qui veulent savoir, me suivre sur Facebook, me suivre sur Twitter. Ah, je vais y arriver, les amis. Après, pour tout ça, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai pas plus d'informations. C'est une map qui sortira pour 2016, donc c'est-à-dire l'année prochaine, vivement 2016. Comme ça, on pourra vraiment, je pense que vraiment, ça va nous apporter, comme je vous ai dit, du gros neuf. Sachant qu'il faut vous dire quelque chose, Altis fait 20 km carré à peu près, oui, comme on a dit. Taona en France 100, hein. 100 km carré à peu près. Donc, faut vous dire qu'on va à peu près doubler, voire tripler, voire quadrupler la surface. Donc, je pense que ça va être vraiment bien pour travailler. Et vraiment bien pour se faire plaisir. Donc les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo information au niveau de Arma 3. Passez une très bonne journée. Je vous dis ciao tout le monde. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à lâcher un petit like. Et ciao tout le monde!